Oui, bonjour. Aujourd'hui, ce n'est pas une délire puisque je ne suis pas du tout content. Une fois de plus, je ne vous félicite pas. Toute la semaine, j'ai écouté votre émission et j'ai le regret de vous annoncer que vous ne respectez pas les règles. Ah bon ? Tout d'abord, vous parlez de jingle ou alors de zapping. Mais vous devez parler français, que diable ! Préférez des mots bien plus explicites que même l'auditeur lambda comprendrait. Dites plutôt, et maintenant, une bonne tranche de rigolade avec des extraits issus des programmes télévisés. Voilà plutôt que d'utiliser le mot zapping. Il en va de même pour jingle. Utilisez le terme plutôt. Petit intermède musical très court destiné à changer de rubrique ou faire le lien entre deux chansons. C'est bien mieux, vous ne trouvez pas ? Oui, c'est plus rapide en plus. Oui, oui. Voilà, c'est très court. Ça, c'est pour les généralités. Je rentre un peu plus dans les détails et tout le monde va y passer. Monsieur JT, vous nous avez parlé dans la semaine d'un site internet qui n'avait aucune utilité. Alors, très bien, ça vous fait rire. Mais de grâce, pensez à vos auditeurs de la Creuse qui se foutent royalement d'un site inutile. Et qui n'ont pas internet aussi. Je ne savais même pas qu'ils avaient internet. Ils sont déçus. Ne croyez-vous pas qu'ils préféreraient qu'on leur parle de pêche à la mouche ou de la manière la plus adéquate d'écailler une sole ? Mademoiselle Claire, c'est pas oui, mieux. Non. Concernant vos audiences médiométrie, jamais, jamais, jamais vous ne donnez les audiences des chaînes du câble. Vous êtes la cause de nombreuses déceptions du monde équestre. Qu'en est-il de la chaîne Equidia ? Savez-vous que certaines personnes seraient contentes de connaître les chiffres de la chaîne Boutique Express aussi, oui, par exemple ? Et les fidèles de Vivolta, vous les avez déjà enterrés ? Vous allez être surprise, mais je vous le dis, vous ne resterez pas jeune toute la vie. Non. Monsieur Romain. Oui, moi j'aime les coups de feu. Vous êtes spécialiste du programme de télévision, mais au cours de la semaine, je ne vous ai entendu parler que des chaînes hertziennes. Et là encore, ça sera le même reproche que Mademoiselle Claire. Que faites-vous de la chaîne TV Breads ? Vous n'avez pas du tout évoqué le concert de Alan Stivell à Carnac. Le folklore breton, voilà ce dont veulent entendre parler vos auditeurs. Pensez-y la prochaine fois. Et votre programmation musicale n'est pas mieux, s'il vous plaît. La prochaine fois, je vous conseille la chanson de Mirzovskli Ibix Klivax, Yatibia Lubiu. Mais c'est pas français, ça. C'est pas dans le quota français. Mais c'est l'équivalent de Lara Fabian, Je t'aime en Pologne. Voilà, j'espère que vous allez faire attention. Dans 3 semaines, je reviendrai peut-être. Je vous écouterai. Je vous laisse. J'ai un poker avec Evangeli et ça, c'est mon trip. Bravo, monsieur, c'est ça. Bon, monsieur, c'est ça. Donc, vous reviendrez nous voir, c'est bien ça? Voilà. Au revoir, monsieur, c'est ça. Dégagez, on veut plus jamais vous voir.